On n'a pas assez conscience du fait que la Révolution française est une révolution du territoire. Parce que, je ne veux pas évidemment ennuyer nos auditeurs avec des propos trop historiques, mais la Révolution, c'est d'abord une réponse à une situation économique désastreuse dans laquelle on va mobiliser les biens nationaux, c'est-à-dire tous les biens ecclésiastiques. Et il faut savoir que la densité, la dispersion de ce patrimoine religieux était absolument immense et constituait l'armature même du territoire français tel qu'il était perçu par les habitants d'alors. Or, la conséquence de cette nationalisation a été que, en un temps absolument bref, absolument très très court, tous ces édifices se sont trouvés du jour au lendemain à la fois privés d'utilisation concrète, se sont trouvés privés de leur base symbolique, et je vous laisse imaginer ce que représente la religion dans la France de 1789, et d'autre part, ont été mis sur le marché en un temps très bref, quelques années, 2 ans, 3 ans maximum, et ce qui fait que, à la fois, l'appropriation, le rapport de la société française à son territoire, tel qu'il était approprié par de multiples édifices, par de multiples signaux urbains, par des présences de clochers, d'églises, avec tous les rapports sociaux, tous les rapports de représentation qui s'y trouvaient liés, tout ça a été sapé à la base, et ceci de Dunkerque à Perpignan et de Strasbourg à Brest, sans aucune possibilité d'y échapper. Je pense que c'est important de comprendre que la notion de patrimoine, au fond, c'est une sorte qui va s'installer avec un certain effet retard, en gros, dans les années 1830, une vingtaine d'années après, ou une trentaine d'années après la Révolution. C'est la tentative de reconstruire un rapport d'appropriation entre la société et le territoire. Et Chateaubriand, vous savez, Chateaubriand, en 1802, va publier un livre très important qui s'appelle « Le génie du christianisme », dans lequel, évidemment, après le bouleversement révolutionnaire, il faut reproposer des concepts, il faut reproposer des manières de voir et des manières de penser. Finalement, toute cette population d'édifices qui a été, en quelque sorte, totalement privée de son sens, et souvent, d'ailleurs, en grande partie, réapprofitée comme source de matériaux de construction, et donc démolie, ou démolie, d'ailleurs, progressivement. Et Chateaubriand dit, en décrivant le paysage français de 1802, partout, on voyait des restes d'églises et de monastères qu'on achevait de démolir, et c'était devenu comme un amusement que d'aller se promener dans ces ruines. Et vous voyez toute la dimension nostalgique, toute la dimension, en même temps, d'un espace qui a profondément changé. Alors on va reconstruire, finalement, une appropriation du territoire en disant que ces monuments, ces édifices qui restent, ceux qui ont échappé finalement au grand recyclage que produit la Révolution, ce ne sont pas à la fois des... Ce ne sont pas, on ne va pas les voir comme des victimes d'une de plus de cette révolution bruyante, on va dire. Ce ne sont pas non plus des symboles de l'Ancien Régime qu'il faut continuer à pourchasser, en quelque sorte, à détruire, mais... ce sont des points d'ancrage de l'histoire nationale. Ça devient un point de référence du passé de la nation qui se reconstruit à travers un territoire et à travers une histoire vécue par tout le monde. Et c'est ça la notion de monument historique. Le monument historique, c'est ce qui permet de se souvenir de l'histoire, de l'histoire commune, de l'histoire partagée. C'est un grand pas en avant. Je veux dire, jamais la société française n'avait finalement été confrontée de façon aussi systématique à cette problématique. D'autant plus que nous sommes dans l'état post-révolutionnaire, l'état rationnel de la France, des départements, des préfets, des sous-préfets, etc., etc. Toute cette pyramide jacobine extrêmement efficace. Et les monuments vont devenir une catégorie d'action publique. Ils le sont encore aujourd'hui. Et c'est cette idée qu'il y a des points, des éléments du territoire, des édifices, qui sont plus que d'autres porteurs de la mémoire commune et qui doivent recevoir l'attention de la puissance publique. Ça, c'est le principe fondateur. Et c'est ce qui est intéressant et ce qui va quand même nous ramener au paysage, rassurez-vous, c'est de penser que cette notion de monument, telle qu'elle est mise en place donc, dans les années 1830-40, elle va progressivement s'élargir.